Wait, c'est Ripley. C'est quoi l'histoire avec les androïdes? Aucune idée. Et le changement de statut de l'alerte? Bordel, j'en sais rien. J'essaie de contacter Samuels. Peut-être que lui, il sait à quoi est en train de jouer Apollo. Thank you.
Waits, il y a des stores de sécurité qui me barrent la route. Vous pouvez les ouvrir. Waits ? Bande d'enfoirés ! Salaud de meurtrier ! Laissez-les tranquilles ! Arrêtez ! Vous ne devriez pas être ici. Vous ne devriez pas être ici. Bande de salopards ! Wait. Mix, je te laisse ça pour quand tu te réveilleras. Je sais que t'as encore du mal à accepter ce qui est arrivé à Foster, mais il va falloir que t'arrêtes tes conneries maintenant. T'as vraiment abusé sur la bouteille, et t'en as trop raconté à ces gens qui dorment dans le centre commercial. J'ai dû te traîner loin de là quand j'ai vu qu'ils te regardaient de travers. On peut plus retourner là-bas. Personne doit savoir qu'on est lié à Marlowe et à la Nessidora. Je reviendrai quand t'auras fini de cuver. Seulement sur les protocoles de sécurité.
D'examiner une patiente avec. Oh, je n'ai jamais vu ça. C'est une sorte de parasite inconnu. J'ai vérifié vite fait le nom qu'ils m'ont communiqué, mais rien n'apparaît dans les fichiers de Sébastopol. Je pense qu'elle est montée à bord il y a peu. Est-ce que vous savez quelque chose? Je n'ai aucune idée de ce que Sinclair et ses hommes fabriquent, mais ça aurait dû être signalé pendant la quarantaine. Qui sait ce qu'ils ont laissé passer d'autre? La patiente m'attend avec son capitaine dans la salle d'examen. Ramenez-vous maintenant. Rip, ils sont tous morts. Les androïdes les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? J'en sais rien. Mais Samuels doit le savoir. Samuels? Pourquoi? Waits lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlowe? Non. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit? Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Ricardo! Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici, verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Je reviendrai te chercher. Thank you.
navette à destination de la tour Salmet de Sébastopol. J'ai l'impression que les ordinateurs des étages supérieurs de Sixon Synthetics sont actifs. Rip, je sais pas si j'y arriverai. Ricardo, il faut que tu te concentres. T'es responsable maintenant. Responsable? Responsable de quoi? Une salle pleine de cadavres? C'est la merde! Concentre-toi, Ricardo. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini. Il y a une alerte qui sonne dans les labos pas très loin. Les ascenseurs sont HS. On dirait que les synthétiques de Sixon n'apprécient pas trop que leurs camarades de la Wayland Yutani viennent fouiner. Comment je monte? Va falloir grimper. Il y a un conduit de service dans le coin qui mène à la cage d'ascenseur.
Ricardo, j'y suis. On dirait que les synthétiques viennent ici pour mourir.